Donc nous, on est un jeu vidéo, un jeu de vidéo de stratégie en temps réel avec des éléments de MOBA aussi. Voilà, donc on développe ce jeu pour qu'il soit compétitif. Alors je vais juste changer de slide. Voilà. Donc notre jeu, c'est pas un jeu qui est développé sur la blockchain, hein, c'est un jeu développé, on va dire, de manière traditionnelle sur Unity, qui est en 1 versus 1, donc un joueur contre un joueur, compétitif, avec des parties qui sont assez rapides, de 10, 15 minutes, 20 minutes, si vraiment, vraiment ça dure et qu'on n'arrive pas à déterminer un gagnant, qui est en temps réel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tour par tour, en fait, les deux joueurs interagissent en même temps, sur une même carte. Et c'est un jeu qui est destiné à être compétitif, c'est-à-dire qui est destiné à être joué dans des tournois et voilà, des diverses compétitions. Ça, c'est quelques petits screenshots du jeu. Ils ne sont pas extrêmement à jour, mais on a une bêta qui sort la semaine prochaine, donc du coup, on va avoir plein de nouveaux visuels très bientôt. Voilà, mais en tout cas, c'est à peu près à ça que ça ressemble maintenant. Donc c'est un jeu dans l'espace. Le but du jeu, en fait, c'est de conquérir le système solaire. Et pour faire ça, en fait, il faut vaincre l'adversaire qui a... les deux adversaires ont chacun un vaisseau mère, qui est l'unité principale du jeu. Et ce vaisseau mère, il va servir à conquérir des planètes, puis à construire des satellites, puis à construire d'autres unités qui vont créer une armée, des vaisseaux pour aller chercher des ressources, etc. Et donc du coup, avec ces ressources, on construit une armée. Avec cette armée, on va aller conquérir d'autres planètes et au fur et à mesure, en fait, conquérir toutes les planètes du système solaire et gagner la partie. Puisque pour gagner la partie, il faut aller conquérir la planète initial de l'adversaire. Donc ça, c'est pour le jeu. Bon, ça, c'est notre équipe. Du coup, vu qu'on n'est pas tous là ce soir, il y a Rémi ici dans la salle qui fait nos smart contracts Ethereum et qui est game designer aussi du jeu. Donc game designer, en fait, c'est celui... c'est la personne qui s'occupe de toutes les mécaniques internes du jeu, quelle unité va avoir combien de points de vie, combien de points d'attaque, combien de boucliers, voilà. Donc c'est tout le design du jeu, en fait, c'est Rémi qui s'en occupe. Voilà, donc Maxence, qui n'est pas là aujourd'hui, qui développe toute la partie du jeu, qui ne fait pas du tout de blockchain, lui, mais qui est vraiment sur la partie Unity. Et puis notre directeur, qui est aussi pas mal investi dans les projets blockchain. Et moi. Donc, je disais tout à l'heure que le jeu n'était pas sur la blockchain, mais par contre, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on utilise la blockchain comme support pour l'économie du jeu. Donc, en fait, on a créé un token, un jeton qui s'appelle le Nexium et qui est créé sur la blockchain Ether. On en a créé 100 millions, on a fait une ICO, Initial Coin Offering, en novembre dernier, pour vendre ces tokens et pouvoir financer, entre autres, j'en reparlerai plus tard, pouvoir financer le développement du jeu. Mais aussi, je vais en parler plus tard de tout ça, de à quoi sert le Nexium, mais en tout cas, ça sert aussi dans notre shop, parce qu'on va créer un magasin, en fait, qui serviront à acheter des éléments, des objets du jeu. Voilà, donc le Nexium ne peut pas se miner, donc c'est un nombre fini. Et j'ai oublié de mettre le nombre total de Nexium, parce qu'en fait on en a brûlé une assez grande partie le mois dernier, parce qu'on a, après notre ICO, en fait, on avait dit dès le début que tous les tokens qui n'avaient pas été soit mis de côté pour la société, soit vendus, seraient brûlés. Donc c'est ce qu'on a fait, on en a brûlé à peu près 33 millions. Donc il en reste à peu près 34 millions, il en reste à peu près 66 millions. Voilà, donc tous les Nexium sont séparables en mille Nexium. Et ils sont sur Poloniex, sur Poledger, sur Telderata, voilà, sur les exchanges.
Voilà, donc pourquoi on a créé un token plutôt que d'utiliser par exemple le Bitcoin, l'Ether, etc. C'est vrai qu'on avait une grosse préférence pour la blockchain Ether de base parce qu'on aime bien cette technologie. Et puis aussi parce qu'elle nous permet plusieurs choses, notamment la rapidité des transactions, le fait que les smart contracts soient vraiment trouvé intéressant sur cette blockchain. Donc du coup, voilà, c'est toujours une histoire de choix, mais nous, on est vraiment sur Ether. Et puis, évidemment, pour le fait de créer le token nous a permis de financer le jeu, hein, évidemment, mais aussi, ça permet en fait d'ouvrir tout un tas de possibilités, et ces possibilités-là, c'est ce qu'on appelle le cross-gaming. C'est-à-dire que nous, on n'a pas fait que créer des tokens, on a aussi créé des assets. Les assets qui sont des assets blockchain, qui peuvent être utilisés dans le jeu. Et ces assets sont vendus dans notre shop, avec des Nexium. Mais on peut aussi imaginer que ces mêmes assets puissent être utilisables dans d'autres jeux qui utilisent aussi la blockchain, que ce soit la blockchain Ether ou d'ailleurs une autre blockchain, par exemple CryptoCounterparty, comme c'est le cas d'ailleurs pour cette carte événement qui s'appelle Aline the Red et qui est jouable, qui sera jouable dans l'avenir, à la fois dans Beyond the Void et dans Spells of Genesis, qui sont nos partenaires direct, puisque c'est aussi eux qui nous ont beaucoup donné d'inspiration vis-à-vis de toutes les problématiques blockchain et gaming. Et en fait, du coup, on pourrait imaginer un écosystème où on peut s'échanger des assets d'un jeu à l'autre, etc., en utilisant les Nexium comme token d'échange. Voilà. Du coup, en fait, ça, en dehors du contexte du jeu, on trouvait que ça ouvrait des possibilités incroyables des possibilités de développement entre les jeux, etc., super intéressantes, qui utilisent les principes de blockchain, notamment le principe de confiance. Alors, on a eu beaucoup, j'en parle un petit peu parce qu'on a eu beaucoup de questions vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'on va vendre en fait dans notre magasin? Parce qu'on est un jeu compétitif, et donc, pour rester vraiment compétitif, il ne faut pas que les objets qui sont vendus dans le magasin nous donnent un avantage en jeu stratégique. Parce que sinon, en fait, ben, il suffit de payer la plus grosse somme et pour avoir les armes, les vaisseaux, les objets les plus puissants et puis finalement gagner la partie. Donc du coup nous on voulait vraiment éviter ça. Et du coup on va vendre surtout des choses du type je sais pas trop comment traduire vanity content, mais hein? Cosmétiques. Cosmétiques, merci. Enfin, des choses plutôt cosmétiques, donc des apparences pour les vaisseaux mères, des holotags pour pouvoir mettre des hologrammes dans l'espace, etc. Voilà. Des avatars pour les photos de profil des joueurs, etc. Mais aussi, on va vendre autre chose, et en fait, on vend des accès à des cartes qui sont des cartes événements. Et en fait, c'est notre principe de jeu, il repose un petit peu là-dessus, sur ces cartes événements, parce que ces cartes événements, elles changent la carte du jeu et elles changent la réaction de la carte, c'est-à-dire qu'il va y avoir des événements qui vont se produire. Par exemple, il y a une carte événement qui dit le soleil va faire une éruption toutes les deux minutes et va envoyer voilà, des rayons mortels dans toute la galaxie, etc. Il faut les éviter. Et en fait, ça change en fait les parties. Ça évite que toutes les parties se ressemblent et ça évite, ça ajoute vraiment des possibilités stratégiques. Donc là, nous, ça change pas. C'est-à-dire que ça donne pas un avantage au joueur qui achète la carte, mais par contre, ben, ça change l'expérience de jeu. Donc du coup, ça enrichit en fait. Beaucoup. Voilà. Donc là, c'était des exemples d'apparence pour les motherships. C'est les mêmes motherships, par exemple. Ça, c'est juste des apparences qui changent. Alors, on a fait une ICO en novembre dernier, et depuis, on a bien avancé. Et donc, du coup, on est prêt à sortir une première bêta qui sera ouverte juste pour nos backers de l'ICO pour l'instant, parce qu'on voudrait peu de joueurs pour tester au début avec peu de joueurs. Puis, on n'a pas encore tout à fait l'infrastructure pour accueillir énormément de joueurs, mais voilà, donc du coup, on est en train de travailler là-dessus, qui sort la semaine prochaine. Et voilà, au début on va faire des petites sessions plutôt courtes, voir comment est-ce que le réseau réagit, etc. Et puis au fur et à mesure, si ça se passe bien et voilà, et si c'est pas trop long entre les sessions de corriger les bugs, on
on ne sait pas où ils seront, mais il y en aura forcément. Et ben donc du coup on va ouvrir de plus en plus la bêta. Et puis en mars peut-être refermer pour vraiment se concentrer sur l'open bêta qui arrivera en avril prochain. Et là qui sera vraiment ouvert à tout le monde et voilà, sur des plages horaires beaucoup plus importantes. Voilà, donc on va faire plein de promotions. Voilà, on est sur pas mal d'événements, surtout en avril, parce qu'on fait le Block Show, le CoinFest. On fait aussi des festivals de gaming, parce que c'est important d'aller chercher les joueurs, parce que le milieu blockchain, c'est quand même un milieu un petit peu fermé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore une portée phénoménale, et il y a énormément de joueurs, et notamment des joueurs d'e-sport qui ne sont pas sensibles encore aux problématiques blockchain, et nous on voudrait vraiment faciliter l'accès aux joueurs au jeu, voilà, et faire en sorte aussi que notre shop que les assets de notre shop puissent être accessibles aux joueurs lambda qui ne connaîtraient pas Ethereum, etc. Voilà. Donc, du coup c'est des problématiques sur lesquelles on travaille en ce moment. Et voilà. Si vous avez des questions. Question, juste comme ça, est-ce qu'il y a une incitation en fait à l'entrée pour les gens justement qui ne connaissent pas les technologies blockchain? Est-ce qu'il y a un wallet intégré dans le jeu? Est-ce que les gens sont bribés pour faire quelque chose? Enfin, comment ça se passe ce genre de choses-là, ou c'est pas du tout ça en fait? Si, en fait, c'est aussi, notre but principal évidemment, c'est le loisir, hein, c'est de faire un jeu, mais en dehors de ça, c'est vrai que les problématiques de ramener les gens vers la technologie blockchain et de faire en sorte qu'ils découvrent ça, etc., c'est aussi un de nos buts. C'est vrai qu'on se pose un petit peu la question, même beaucoup la question en ce moment, par exemple, des transactions dans notre shop, savoir est-ce qu'on ne trouverait pas un partenaire pour que les gens puissent acheter des Nexium contre des euros, contre des dollars, par exemple. C'est des problématiques qui puissent ramener vraiment tous les joueurs sur la technologie, qui fasse en sorte en fait que l'accès à la technologie blockchain soit de plus en plus facilité. Et en fait, ce qu'on voudrait vraiment expliquer aux joueurs aussi, c'est que la technologie blockchain, là, pour nous, elle fait vraiment sens, parce que les gens qui achètent des assets dans notre jeu, ils sont vraiment propriétaires de leurs assets, c'est-à-dire que c'est pas comme dans un jeu du style League of Legends ou n'importe quel autre jeu d'ailleurs, pratiquement, où en fait les objets qu'on achète dans le jeu, ils sont stockés sur les serveurs du jeu, quoi. Donc du coup, en fait, si on est banni pour n'importe quelle raison, si on n'a plus envie de jouer, si on perd notre compte, si on a... voilà. Pour toutes ces raisons-là, en fait, on peut perdre littéralement des objets, et ça sera au studio, au jeu, etc., de décider s'il y a un remboursement, si... voilà. Et donc du coup, on est quand même, les joueurs sont quand même très très dépendants de ça. Et là, en fait, dans notre cas, vu que les assets sont des assets blockchain, ils sont échangeables en dehors du jeu. Si le jeu, malheureusement, cessait d'exister, etc., les assets seraient toujours là, ils auraient toujours une existence. Et du coup, en fait, ça donne une confiance au joueur qui serait vraiment propriétaire de ce qu'il achète et qui pourrait en faire ce qu'il veut, même détruire s'il a envie. Et nous, on n'a pas de... En fait, on laisse le contrôle de ça directement aux gens, en fait. Et c'est vrai que je pense que c'est vraiment intéressant pour les joueurs de se dire ça, et on aimerait que ce soit un principe qui soit de plus en plus utilisé. Et que les gens se rendent compte qu'en fait, c'est bien mieux que d'avoir les objets du jeu sur un serveur, tel ou tel serveur, et de ne pas avoir contrôle, en fait, finalement, en dehors de l'utilisation qu'on peut en faire en jeu. Donc voilà, c'est des problématiques sur lesquelles on travaille. D'accord. Ça veut dire que quelqu'un qui achète ses objets aujourd'hui en euros, en n'importe quoi, il peut les sortir, enfin, les objets sont systématiquement émis sur la blockchain, et donc il peut après les sortir du serveur et les mettre quelque part. Alors, en fait, ils ne sont pas sur le serveur pour commencer. Puisque c'est sur la blockchain. Après, c'est vrai que nous, on a deux types d'objets dans le jeu, parce qu'on a toujours cette histoire de problème de compétitivité. Donc, on a les objets qui sont vraiment cosmétiques, ou les event cards, enfin les cartes événements, qui sont des assets blockchain et qui sont échangeables dans n'importe quel contexte qui veut bien les accepter. Voilà, qui sont séparés du jeu. Mais on a aussi des objets, des choses en jeu. Par exemple, des compétences ou des choses à débloquer, du contenu à débloquer, qui sera débloquable qu'avec des game points, des points de jeu, parce que justement, on a cette problématique de compétitivité à garder. Mais les assets qui sont des assets blockchain, c'est des
des assets blockchain, quoi. Ils peuvent, s'il y a n'importe quel échange qui décide de les lister, ben, ils sont échangeables sans notre... D'ailleurs, si je peux ajouter quelque chose à ce sujet-là, c'est vrai que du coup, il y a certains jeux qui font ce pari-là d'avoir des objets en jeu qui sont des fois sur la blockchain, des fois pas sur la blockchain, etc. Et là, ce que pointe du doigt Manon, c'est qu'en gros, à partir du moment où un joueur a payé quelque chose, son avoir sera forcément sur la blockchain. Ce qui veut dire que, et s'il n'a pas payé quelque chose sur le jeu, ça ne sera pas sur la blockchain. Alors, peut-être que dans le futur, on ajoutera aussi des possibilités pour que les gens puissent gagner des choses en jeu et les sortir après pour les échanger sur la blockchain. C'est quelque chose sur lequel on travaille pas spécialement actuellement parce qu'on a, des problèmes par rapport aux gens qui seraient... on voit ça en Chine par exemple sur World of Warcraft ou en France sur Dofus d'ailleurs, des gens qui jouent au jeu dans le but d'obtenir des objets, ou alors des gens qui créent des bots dans le but de faire beaucoup de parties et gagner des objets pour ensuite les revendre. Et en fait, non seulement ces gens-là et ces programmes-là détériorent l'expérience du joueur considérablement, mais en plus, derrière, les objets qui sont générés dans ce contexte-là n'ont plus aucune valeur parce qu'en fait, ils sont générés en masse par des personnes qui ont le pouvoir de faire ça en masse. Et le joueur qui joue de façon occasionnelle, etc., n'a aucun intérêt à générer des assets à 1 centime, etc. Donc c'est vraiment la dualité qu'on a. Si vous avez gagné quelque chose sans payer, ça ne sera pas sur la blockchain. Et si vous avez gagné quelque chose en payant, ça sera sur la blockchain et vous pourrez le revendre, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Et ce ne sera jamais de l'argent perdu dans le sens où vous pourrez, comme un jeu CD d'ailleurs, le revendre et faire ce que vous voulez avec. D'ailleurs, notre shop, les gens pourront échanger eux-mêmes leurs assets sur notre shop. C'est-à-dire que nous, on va vendre évidemment les assets Beyond the Void. Mais d'ailleurs, une fois qu'on les vend, les Nexium qu'on récupère, parce que toutes les transactions du shop sont faites en Nexium, de tous les Nexium qu'on récupère sur chaque vente de nouvel objet créé et qui est vendu par nous, donc les Nexium qu'on récupère, il y en a moitié qu'on brûle à chaque fois. Voilà, ça c'est une des petites particularités de notre shop. Mais les gens pourront aussi échanger entre eux leurs assets de Beyond the Void. Et dans ce cas-là, en fait, c'est eux qui décident du prix. Et c'est à l'offre et à la demande, en fait. Et dans ce cas-là, aucun exemple ne brûle. C'est vraiment que dans le cas du nouvel objet. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, il y a beaucoup d'assets qu'on va générer qui seront par la suite... En fait, ces assets, bon, pour ceux qui connaissent, c'est des assets ERC20. Donc, grosso modo, ça veut dire qu'ils répondent à un certain standard sur Ethereum. Ils peuvent être échangés sur des plateformes, par exemple, Myst, le portefeuille Ethereum assez connu, a une intégration native pour supporter les tokens ERC20 et les échanger. Donc ça peut être assez pratique pour le joueur. Et en fait, par rapport aux échanges entre les joueurs, il y a un truc assez important, c'est que les joueurs, comme on l'a dit, ne seront pas forcément sensibles à la technologie Ether. Et donc du coup, pour déclencher une transaction sur Ether, il faut des Ether. Ça coûte du gaz, ça coûte des frais de transaction, et les gens n'ont pas forcément des Ether pour les payer. Donc dans notre shop, on a aussi on a prévu le cas pour rembourser automatiquement les gens, en gros pour faire en sorte que les gens puissent payer les frais de transaction en Nexium. Donc ça c'est intégré, donc nos joueurs payeront leurs frais de transaction du shop en Nexium. Et donc du coup, nous on supporte ça directement. Ça s'appelle des timbres. Oui, d'ailleurs, oui, on appelle ça des timbres. Donc même concept qu'à la poste, vu qu'on fournit un service, on fait payer un timbre. Et pour qu'il y ait un vrai intérêt à échanger ces assets, et que ce ne soit pas simplement nous qui soyons complètement maîtres du marché, ces assets, des fois, seront bloqués. C'est-à-dire, des fois, on décidera nous-mêmes de se limiter dans la création de ces assets.
on ne pourra pas en créer plus d'un certain type, dans le but de rassurer les joueurs par rapport à la rareté de leur asset et de faire peut-être potentiellement gagner en valeur, gagner en prix, etc. C'est pour ça que ça peut être assez intéressant. On a aussi d'autres assets qu'on va peut-être pas limiter, etc. Parce que ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les jeux vidéo. Il peut y avoir un objet, un skin qui a beaucoup de valeur parce qu'il est rare. Et donc les gens, ils le recherchent, ils sont prêts à payer cher pour l'avoir. Et du jour au lendemain, le jeu le remet à disposition pour beaucoup moins cher. Et le joueur perd beaucoup de son investissement parce qu'il a payé 200 € pour s'acheter un skin, par exemple. Il y a des gens qui font ça, qui achètent 200 € un skin parce que voilà, ils veulent montrer leur attrait pour le jeu, etc. Et du jour au lendemain, ben, la compagnie décide de vendre ce skin pour 5 € parce qu'il voit que ça a du succès et donc du coup, ils perdent tout. Donc ça, c'est vraiment le cas d'utilisation blockchain qu'on recherche, c'est le joueur possède vraiment son objet. S'il est rare, il restera rare. Et il a vraiment un contrôle là-dessus et sur l'achat-revente de son objet. Par rapport à l'achat-revente, en fait, votre place de marché, elle sert un peu de tiers de confiance. C'est-à-dire que si je veux vous acheter un skin en Nexium, je vous envoie ce Nexium parce que vous avez posté une annonce. Et du coup, mes Nexium sont... quelque part, je sais que vous envoyez l'objet et c'est débloqué, il y a un système comme ça. Alors en fait, le shop c'est un smart contract Ethereum. D'accord. Et en fait, donc le shop il est vraiment tout codé en smart contract. On n'a qu'une interface. La seule chose qu'on est en train de développer actuellement pour le shop, qui va sortir d'ailleurs bientôt, c'est juste l'interface qui permet d'interagir avec. Mais le smart contract, il est au point depuis un petit moment déjà. On a accès au code source du smart contract sur les assets ou pas? Non. Alors on a accès donc tout le monde aura accès au code source du Nexium et des assets. Parce que c'est obligatoire. Donc des smart contracts, des assets. Voilà, c'est ça. Ah, ok, donc si. Ouais. Donc pour la confiance, nous on considère que le joueur nous doit avoir confiance absolument qu'en la monnaie et en les assets. Le smart contract du shop, dans l'absolu, il peut passer par n'importe où pour acheter des assets et pour les échanger entre les joueurs. Ils n'ont pas besoin de notre smart contract à nous. C'est pour ça qu'on a fait ce choix-là de ne pas spécialement mettre en avant le code du shop. C'est un choix en interne. Mais globalement, ils n'ont pas besoin de nous faire confiance. Si jamais ça ne marche pas, ils passent par votre part. Donc, oui. Ma question est anglaise. Is it already possible that you integrate with other game shops? And if not, are you planning it? And how? Tu veux répondre en anglais? Yes, well, we are partners with Spells of Genesis, so we have already common assets, even if they are on the counterparty blockchain. But we have the Aline the Red Event card. We have another asset which is a counterparty asset. It's Crystal Libre, and this is cross gaming assets, but the shops can't be yet linked, but it may be something that we are looking at sometime in the future, but it's not really what we're focusing on right now, because we really need to develop the game and to make it great. Because actually the value of the Nexium, the assets, etc., it's really linked to the quality of the game, so that's the focus right now. But yeah, maybe in the future it can be an idea. Donc effectivement, pour la question de ce shop, effectivement, peut-être que dans le futur on ajoutera des partenaires, d'autres jeux pour dans. C'est en fait, ça fait partie de l'écosystème, ouais, de voilà. Notre plus d'écosystème, ouais, en fait, hein, c'est ça. C'est pas... On essaie de développer, pour l'instant on développe notre jeu parce que il faut bien commencer quelque part, mais en fait, à l'avenir, c'est vraiment un truc qu'on aimerait développer. Ouais. Et effectivement, vu le fonctionnement de notre shop, a priori, n'importe quel asset ERC20 sera possiblement, si on l'autorise demain, échangeable sur notre shop. Donc ça, il n'y aura pas de problème. Au niveau strict du fonctionnement du shop, pour entrer un petit peu, enfin, à peu près pour expliquer le fonctionnement, quand on veut vendre un objet sur le shop, ou quand on veut acheter un objet sur le shop, c'est pareil, on pose l'asset ou les tokens
qui vont être échangés sur le shop en attente, dans une offre en fait, en attente d'avoir quelque chose en face. Et puis quand la personne en face accepte l'achat en fait, le shop fait simplement l'échange et ça fonctionne simplement comme ça. C'est pas plus sorcier que ça. Et en fait, pour pouvoir mettre en place une vente sur le shop, les gens doivent payer simplement des timbres parce que les transactions sont payées en Exium. Alors, les transactions sont payées en Exium. En réalité, sur les comptes, il faut quand même qu'il y ait un tout petit peu d'Ether que potentiellement on mettra nous-mêmes pour nos joueurs sur les comptes. Donc vraiment de quoi faire une seule transaction, vraiment pas grand chose. Et en fait, quand un joueur utilise le shop, on lui rembourse en fait un nombre d'Ether pour qu'en gros il puisse continuer à faire des transactions sur le shop indéfiniment. Et en fait, quand il achète des timbres, du coup ça nous rembourse le coût en équivalent en Exium. C'est le fonctionnement. Donc ça va pas chercher plus loin. C'est aussi pour ça que c'est vraiment très libre. On peut même le smart contract, il accepte même le fait d'échanger un vaisseau contre un autre, ou un vaisseau contre deux vaisseaux, ou de vendre des vaisseaux que par 5 ou des choses comme ça. C'est vraiment il y a tous les cas de figure sont possibles. Et voilà. Donc d'ailleurs, pour l'anecdote, si quelqu'un voulait faire une autre interface pour le même shop sur notre contrat, il pourrait développer un site qui interagit avec notre smart contract Ethereum et faire sa propre interface et faire son autre site qui fait la même chose. C'est une possibilité. Voilà. Ou carrément recréer un shop. C'est tout là l'intérêt d'avoir des assets blockchain, c'est que la communauté peut participer activement si elle en a envie ou si elle en a besoin autour du projet. Autre question. On est sur Twitter, on est sur Facebook, on est sur Slack. On a plein de membres sur Slack, enfin plein de membres, à peu près 180 je crois. Ouais. On discute avec eux tout le temps, ils nous donnent tout le temps des super idées. Et vous êtes vraiment les bienvenus parce que nous on avance vraiment... vraiment pas mal depuis qu'on a ce Slack, les gens sont vraiment incroyables de ressources et d'idées. N'hésitez pas à poster des messages sur Slack, on lit actuellement, il n'y a pas tant de messages que ça en plus sur le Slack, donc ça nous permet de vraiment tout lire, on ignore personne et on est vachement accessible de ce côté-là, si quelqu'un a une proposition, si quelqu'un a une question, on répond tout de suite, il n'y a pas de problème sur Slack. Voilà. Merci. Si vous voulez monter, on va continuer la soirée en haut. Et voilà.